Paul est mort à Sébastopol. Paul est mort à Sébastopol. Il est mort à Sébastopol. Sébastopol, papa. Il est mort à Sébastopol. Il est mort à Sébastopol. Paul est mort à Sébastopol. Il est mort à Sébastopol. Paul, papa. Ta gueule. Une petite baraque. Pour 10 000 pièces d'or, je vais te dire. Tu payes plus cher la maison de Marcat, hein. Ouais. Ça va encore. Ouais. Rania, c'est bien pour débuter. J'attends. On va retourner au palace, on va voir ce que donne la mine. Et c'est là la surprise. La surprise. Nous allons voir ce que ça va donner. Voilà. Il faudra que j'aille voir aussi ici. Ah bah, attends, c'est les quartiers des chevaliers. On va les voir tout de suite en fait. Après tout, ce sont nos quartiers. Voilà. J'ai cru que c'était une piscine sur le... Alors, qu'est-ce qu'on a de baume? Bah le truc des gardes, ouais, logique. Dormir. Non, oui, ils dorment, les gardes. Toi, tu dors pas là, toi? Bah, je suis chevalier après tout. J'aurais le droit. Ouais, il y a pas de raison. Non, mais où? Ah, c'est la prison. Ah, mauvaise info. C'est la prison, c'est pas le quartier des chevaliers. Quoique, ça peut être le quartier des chevaliers si tu veux t'amuser. T'amènes 2-3 prisonniers, tu les fouettes. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est bien le quartier des chevaliers à la base, mais si on continue plus bas, on tombe sur les prisons. Le problème, c'est que. Je suis pas sûr que c'est le quartier des chevaliers. Je pense que c'est le quartier des gardes. Bah, pourtant, il y a. Quoique, t'as 4 trucs, ouais, t'as 4 lits. Il y avait marqué le quartier des chevaliers, hein, littéralement. Donc, ouais, mais c'est bizarre qu'ils dorment tous ensemble et tout, tu vois. Bon, là, tu as une femme, hein. Ils peuvent peut-être s'amuser entre eux. Hein. À cette époque-là, disons que le mariage, c'était... Oui. Non. Ouais. Ça, c'est pour le patron. Ça, ça sera plus tard. Il y a d'autres trucs ici, là, juste que je regarde par curiosité. Une porte qui mène dans une... À la salle. Oh, la table ronde. Et le mage. Bonjour, le mage. Ainsi, il vend des trucs. Il a la tenue de l'archimage, en plus, l'enfoiré. Eh ben on s'emmerde pas, hein? La prochaine fois. T'es con. Oui. Je peux vous aider. Le quartier noble. Essaye. Et là, vous avez enfreint la loi. Et tu vas en taule. On t'enferme, on te fouette et on te sodomise dans un coin sombre. Oh. Ah bah là, c'est plus le quartier des chevaliers. Ça a l'air bouge. Non, c'est le quartier des nobles. Eh bah les nobles, c'est quoi? Attends, t'as payé 10 000 pièces d'or. T'as ta chambre, je suis sûr que... Oui, mais ils ont quand même séparé chevalier et noble, donc c'est... Mais t'as pas d'autres nobles? Bah si. À moins que t'aies des courtisanes. Il y a la famille royale. Ah ouais, mais t'as pas de courtisanes, t'as que dalle. Ça, ce serait marrant, hein. Un mode où l'autre, il crée une maison de passe. Faudrait qu'on se le fasse, un de ces quatre. Ça doit sûrement être faisable. Dans Oblivion, déjà, ils avaient commencé... Enfin, ils avaient créé des modes... Il me semble qu'ils avaient créé un mode où tu pouvais... Tu te souviens de la quête... je sais pas si tu l'as fait... Où ça se passait à Anvil. Ouais. Où tu peux te faire... T'as des filles qui font style qu'elles veulent coucher avec quelqu'un. Voilà. Ouais. Puis en fait, c'est des grosses putes qui veulent te... Te voler. Voilà, te voler... je me souviens, ouais. Ouais, donc enfin, en fait, si tu veux, t'as moyen de reprendre cet institut et d'en faire un réseau de prostitution. Ah ouais? Ouais, avec un mod. Le truc, c'est que je voulais en faire une vidéo, ouais. Et j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Ah ouais? Ouais, ça. Donc, c'est dommage. Parce que je pense que ça aurait pu faire marrer les gens. Ouais. Bien sûr, en espérant qu'il n'y ait pas trop de nudité. Mais bon, à mon avis, ça montrait rien. Non, mais hein. s'il y a au moins les nichons, moi, ça me dérange pas. Hein. Bah, bien sûr, ça dérange pas, mais bon, ça dérange toujours YouTube. Donc. Oh, mais YouTube embête, hein, voilà. Oui, qu'est-ce que ça Alors, une mine. Ah, yes, the mine of Riverhell. A magnificent investment.
en fer, iridium, je sais pas ce que c'est, en acier. It currently produces a revenue of 1500 gold. Please take this key. Ok, donc il m'a donné la clé de la mine de Riverhelm. Est-ce que je peux voir où aller sur le titre de propriété? D'accord, donc celui qui possède le document possède également la mine. Mm-hmm. In the same portrait, at the top of the castle. Ok, donc faudrait que je prenne la sortie nord. Enfin, nord, je sais pas si c'est le nord. Oui. Mais je me la sortie qui est à gauche du manoir. À gauche, ouais. C'est ça. Tu as déjà trouvé cette statue? Non. Avec les mecs qui ont les masques et tout. Mais je crois que t'as une quête où tu dois déposer les masques et tout. Champac disait que oui. Bah, moi aussi. Mais j'ai... C'est Champac qui me l'a dit. Et Champac le connaissant. C'est le genre de quête qui le passionne. Donc, ah ouais. Dit, oui. Faut que je les fasse. Hein. Donc, juste un truc. À Sordoul. Au-dessus peut-être. Ça fait fontaine. Plus pour l'effet de style, je pense. Ouais, de toute façon, je me creuse un peu la tête pour rien. Mais. Ah, je... C'est pour éviter que les ça femmes. Ça cherche se... la petite bête. C'est pour éviter que les femmes se mettent à nu. Ah bah voilà. Tu l'as cherché ta mine, regarde. Ah non. Mais non, non mais non, si, non. La fontaine d'où ça descendait. La flotte et tout, je veux dire. Ouais, mais descend, là, non, c'est un bug là. Enfin, je peux pas passer en tout cas. Ouais, mais bon. Mur invisible, moi je dis. Mur invisible. Non, mais la mine, pour le moment, on l'a pas vue en tout cas. Et ça? C'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Bah, quitte bord de ciel, enfin là. Ouais, on va passer par là et on va peut-être découvrir où se situe cette putain de mine. Hein. Déjà, ça t'emmène pas du tout au même endroit. Ah oui, effectivement, voilà. La mine est là. Donc je confirme que le truc qui bug là-bas, c'est peut-être la reine. Hein, finalement. Malheureusement, c'était un des trucs qui m'aurait intéressé le plus. Faudra voir en ouais, installant des mines. Pourquoi la reine aurait été là? Moi, je les aurais mis sur la grande place ou dans un bâtiment à part. Ouais, moi aussi. Ça a l'air d'être la mine. Clairement lié à ce mode. Ah, des mineurs dans le truc, ça c'est pas vous mal. Vous bossez pour moi! Vous entendez? Et vous êtes pas de Sartal, vous êtes de Riverhelm. Hein. Tant que l'académie me paye, je creuse. Non, d'accord. Non, mais l'académie te paye pas. Sartal, c'est la première ruine que tu visites ouais. dans l'académie des mages. Oui, je sais, ouais. Ouais, moi je l'ai dit aussi un petit peu pour les viewers. Vite oui, fait. Bien sûr. Et du coup, bah, le mec il a pris des. Des mineurs de Sartal, apparemment. Tant que l'académie me paye, je creuse. Que voulez-vous? Ah, je peux récupérer leur production. Oh, mais c'est énorme, ça. 1500. Très bon investissement. Ouais, je te l'ai dit. Ouais, bon, allez. Sir Pion, elle va pas s'emmerder, il va tout prendre, mais... Ah, merde. Tu vois? Bon, j'aurais dû prendre un larbin pour me porter mes affaires. Et voilà, 4 chevaliers, je sais pas. Pour une femme. Tu peux lui faire porter des trucs et en plus tu peux la violer. Que c'est? C'est pas beau ça. Ramasse. Ramasse ta camelote, c'est rare. Oh, t'as vu ce qu'il t'a dit? Ouais. Alors ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Alors franchement ça me plaît pas. Et hors de question de se laisser marcher sur les pieds par un trou du cul. Voilà. Ah bah il t'attaque pas, c'est bien ça. Que voulez-vous? T'as rien à dire, hein? Non? Bon. Bien. Respectez-moi. Je sens que je vais aimer ça. C'est sympa le mode où tu peux tuer et tout. Et puis qu'est-ce finalement il fait. Ouais, mais non. En plus, le garde, je crois qu'il allait m'aider à le tuer. Ouais, voilà. C'est ça le pire. Les gardes. Non, bah attends, ramasse ta camelote, misérable, je suis désolé. Voilà. On parle pas comme ça à son patron. Voilà, surtout à Sir Purin.
Surtout sur Purin, alors là. Ah, il y a quelqu'un qui a été enterré vivant, je crois. Ça, c'est bien, ça. D'ailleurs, sa lanterne est toujours allumée, tu sais pas pourquoi. Quelqu'un a dû s'amuser à la rallumer, tu sais. Bonjour. Pas trop dur la vie ici ? Tant que l'académie me paye. Dieu qu'il fait froid. Et vous trouvez que je peux vous aider ? Cendrier, ça peut toujours servir. Il y a peut-être une forge. Une grande mine, hein ? Ouais, super grande. Et on peut miner aussi par nous-mêmes, c'est ça qui est cool. Et je trouve que c'est un mélange de plusieurs mines. Ouais, je me souviens d'un endroit comme ça dans une quête. Oui, c'est la quête où tu dois récupérer l'armure de... Molagbal, non ? Voilà, ouais. Du meurtre, etc. Enfin, des draps du meurtre et tout. Il a l'air d'y avoir encore quelque chose par ici. Je vais me paumer dans ma propre mine, chers amis. Ça va être épique. Folklorique. Et j'ai le hockey. Il a le hockey. C'est bon, j'ai plus le hockey. Il n'a plus le hockey. Ok, donc j'ai juste fait le tour pour l'instant. Et là, je peux faire péter ça et je peux foutre le feu. Et je vais foutre le feu parce que je suis un enculé. Voilà. J'aime quand ça réchauffe les cœurs. Parce que je suis un enculé. Alors. Bah je crois que j'ai fait le tour. Bah ouais. L'autre qui est toujours là, ça lui apprendra ce connard. Merde. Débarrasse-moi du cadavre, gros con. Mange-le. Mange-le. Mange-le, cadavre. Mais... Ça, faut dire ça à un... merde, à un orque. Qu'est-ce que c'est ? Tiens. Prends ta pioche dans le cul. Suce-lui la bite. Excusez-moi, complètement. Il avait un délire, des fois ça lui arrive. Le pire, c'est qu'il est comme ça dans la vraie vie. Ah ouais, je prends des cadavres comme ça de gens et je force le cadavre à sucer la bite de quelqu'un. Surtout la mienne. Voilà. Donc voilà. Ma copine n'est pas au courant d'ailleurs, attention. Ah mais si, Ahmed. Ah ouais, ouais. Ah ouais. J'étais bourré la dernière fois, je m'en souviens plus. Bon. D'accord. Bandit. Et bah ça lui apprendra. Attention avec ça. Ouais, t'inquiète pas, je fais gaffe, t'inquiète. Allez, zoop. Ah merde, vas-y. On va sortir les poubelles. Je pense qu'il doit y avoir le mur invisible, donc il va sûrement pas passer. Non, il ne passe pas. Et merde. On peut pas sortir les poubelles. On va demander aux gardes de s'en occuper. Je veux devenir roi maintenant. Allez. Ah, peut-être que tu peux faire le célèbre signe de César. Ah, oui, le fameux pouce baissé. Oui. Ça, ce serait bon, ça. Je veux faire exécuter les gens. Oh. Servante. T'es une servante, toi ? Oui. Oui, t'es une servante ? Je vais bientôt devenir roi. Est-ce que tu suces ta butte ? Oui. On va attendre qu'il fasse jour. Parce que je veux quand même qu'il fasse jour, le jour de mon couronnement. Bien sûr, le temps. Et là où il pleut, dommage. Ah bah non. Notre ça pourrait se comprendre, même les dieux pleureraient parce que tu deviendrais roi. Ça prouverait qu'ils ne m'ont pas choisi. Je n'ai pas été un élu des dieux, contrairement à la plupart des autres rois. Je sais pas si ça fonctionne comme ça dans les traditions nordiques, mais bon. On s'en fout. Bon, vous noterez quand même qu'il y a, enfin vous l'avez remarqué depuis le début, mais il y a quand même un skin propre au mode pour les armures des gardes. Ouais. Et pour le bouclier. Un peu bling bling quand même, hein. Mais ça va, c'est propre. Ouais. Allez. Hé hey, toi, je viens te détrôner, petite merde. Vous êtes quelqu'un d'efficace. Greetings, Messiah. In the midst of this war, it's splendid. It is a relief to know that Riverhelm will have a king once more. He must be very wealthy. Je trouve que les prix sont vraiment pas élevés. Parce que roi pour 30,000 pièces d'or. Enfin, pour 30,000 pièces d'or, ça va quoi. An excellent purchase. Now, please kneel and repeat after me.
I swear to use my sword for justice. Ouais, c'est ça, je jure d'utiliser mon épée pour la justice et la gloire de mon peuple. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Courage, wisdom. Je défendrai mon peuple avec courage et wisdom, je sais plus ce que ça veut dire. I swear, je combattrai le mal, la tyrannie, l'injustice. King of Riverhelm. Long live the king. Voilà. Tu es finalement roi. Eh, hey, bouffon. Pardon. Tuez-le. Ah bah oui, c'est ce qu'ils font. Allez, et l'autre, assassinez-moi cette merde. Il m'a traité de face de Ragnar. Viens là, viens là. Le garde se déplace vite. Voilà, c'est bien. Vous m'avez traité comme... Vous m'avez traité comme un ami. Ça me touche beaucoup. À poil, le bouffon. À poil, le bouffon. Attends, il faut peut-être pas abuser non plus, on me traite pas, moi, comme ça. Non mais merde, quoi. Alors... Non, ok, d'accord, donc je peux plus rien faire avec lui. Donc il ne sert à rien. Et maintenant que je suis roi, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous aider. De plus. Bah, tuer tout le monde, ça peut être marrant. Ou sinon, tu peux... Je peux vous aider. Ça, c'est ma servante, mais c'est une vieille. C'est une vieille moche. Je peux peut-être aller dans mes quartiers. Voilà la nouveauté. Tant qu'à faire, hein. Ouais. Oh. Oh. C'est beau. Taxes. D'accord, donc je peux récolter les taxes régulièrement en fait. Ouais, t'inquiète pas, c'est moi. J'ai branché mon portable là. Ok, j'avais peur que ce soit ce PC là parce que ça aurait pu être le disque dur et du coup la vidéo elle aurait morflé quoi. C'est tout ce que je peux faire là? Oula, ça y était avant ces trucs là? Sur les statues de Dibella? Non mais c'est très sympa. qu'est-ce que je peux faire là? J'ai envie d'exécuter quelqu'un, je vais aller voir en ville. J'ai envie d'organiser l'exécution d'un gros con. Et au pire, je vais prendre un plaisir à massacrer le peuple. Bien sûr. Pour bien finaliser la vidéo. Mais oui, mais il faut toujours massacrer le peuple. Non, mais faudrait qu'on voit ce quand même au niveau de l'arène avant. Ouais, mais je sais pas où elle est. Moi, je pense que c'est l'endroit... Ouais, qui bug. Dommage que ce soit les cas. Il y a des chances, il y a des chances. Par exemple, si je parle à cette marchande là, est-ce que je peux t'exécuter, toi? Oui. Non, je peux juste... À la prochaine fois. Bon, bien sûr, je peux tuer, hein. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Mon corps, ça marche. Il y a un forgeron là, il était pas là tout à l'heure. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Alors en arme. Bah là il travaille, c'est bien. Non, je crois que je l'avais déjà vu en plus ce mec. Mais ouais, c'est tout à l'heure, je sais pas ce qu'il foutait. Alors qu'il était midi, ils allaient tous bouffer, c'est peut-être pour ça qu'ils bougeaient un peu. Mais ouais, bon, je vais sortir et je vais essayer d'aller voir. Si je peux trouver la reine. Et dans le pire des cas, je désinstallerai certains modes exceptionnellement pour faire apparaître cette arène. Ouais. Là. Mais franchement, la présentation du royaume est assez sympa. Des petites animations, mais il en manque quand même un peu. Il vous faut quelque chose. Alors. Tous ces cadavres. Ok. Donc l'endroit où ça buguait, c'était là-bas. On va voir si ça bug toujours. C'est quand même trop collé à Blancherie. Ça, faut bien l'avouer. Hein.
même si c'est pas une ville aussi importante que Blancheville, c'est... Ouais. Et tu remarqueras qu'on insiste sur le fait que je suis roi et non Jarl. Oui. C'est bizarre, d'ailleurs. Mmh. Donc c'est pas une châtellerie non plus rajoutée, peut-être, officiellement à Bordeaux-Ciel. Ouais. Chasseur. J'ai l'impression que c'est toujours aussi vite. Ouais, c'est toujours ponctué des magnifiques points d'exclamation rouges. On va voir, il y en a là. Oula. Ah bah c'est un monstre qui bug. C'est un Ragnar qui... Ok. Pourquoi? Il va falloir m'expliquer pourquoi. Non, bah finalement, ça a pas l'air d'être lié à ce mode. Il a dû y avoir un problème. Peut-être avec le mode des 100 monstres rajoutés, mais ça me paraît bizarre. Il n'y a aucune raison à ça. Donc on va essayer de retourner au niveau de River Helm. Et je pense que nous devrions, en cherchant un petit peu plus, trouver cette arène quelque part autour. Ouais. T'as fait un peu chaud ce soir. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi ça va encore. On va essayer d'aller par là. Peut-être que si on fait le tour de ce côté-là, on va découvrir la reine. Sinon, au pire, je ferai un TC et j'essaierai de naviguer bien autour. Alors, il n'y a peut-être pas d'arène, ou alors on l'a pas vu. Ah, il a pourtant dit qu'il y avait une arène. Ah, et le bâtiment qui est à la sortie, tu sais, pour aller à la mine. Ouais, mais c'est ça l'arène. Bah, tu sais, à l'intérieur. C'est pas grandiose. T'as intérêt à être une arène souterraine, hein, j'ai envie de dire. Maintenant que je suis roi, j'y ai peut-être accès. Bah maintenant, techniquement, tu devrais avoir toutes les clés. Non ? Ouais. Donc là, je me suis mis en TCL, histoire de... Car Sire Purin est grand, Sire Purin est fort. Sire Purin mange ta maman. Que voulez-vous ? Sire Purin... pète dans votre... votre cassoulet. Ouais, voilà. Non, oh, c'est quoi en bas? Attends. C'est des mannequins. Ah ouais, d'accord, je l'ai pas vu. Ouais. Bon, en dehors de la cohérence, ce mode est bien, en tout cas. Ah bah non. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi? Voilà, tu fais tomber le soleil, ça s'écrase sur River End, tout le monde meurt, c'est cool. Ouais. Et j'aime ça. Ouais, on trouve pas la reine. Ah, peut-être là, notre, regarde. Là? Non. Derrière toi. Here? Non. Here? Ouais, là. Maybe. Ah ouais. Que voulez-vous? Pourquoi qu'est-ce il est mort? Je sais pas, mais fouille-le. Ouais, bon. Juste un petit truc, est-ce que j'ai eu une couronne quand même? Non? Même pas. Même pas, j'ai eu de couronne. Bord de ciel. Ça n'a pas l'air d'être là, mais on va regarder quand même, on sait jamais. Allez là, wesh. J'ai pas l'impression et... Je peux vous aider. Je vais retourner encore une fois au niveau de l'entrée, tu sais, les premiers bâtiments qu'on a vus. Peut-être que dans le coin, il y a de quoi... Ouais. Ce qu'il faut, la reine qui est planquée.
Mackay. Ouais, ça m'a l'air d'être des petites baraques, mais sans plus, sans lien avec une arène. Peut-être ça. C'est quoi? Je vais voir. Oula. Oula. What the fuck? What the fuck? Ouais. Un oubli. En même temps, il a fait un gros truc. Et ça? Une entrée? Ah! Ah! On l'a trouvé.